Zoufès. Ce soir à 3-2-1 Zoufès. Montage arrache-larmes de la dernière édition du festival. Plus. Entrevue exclusive avec celui qui met le cool dans les coulisses du Zoufest, moi-même. 3-2-1 Zoufest, le magazine culturel pour tout savoir du Zoufest, avec votre animateur, Herbie Monroe. Bonsoir, mon nom est Herbie Monroe, bienvenue à vous à 3-2-1 Zoufest. Cette année encore, le festival revient en force. Mais avant de se plonger dans l'édition 2015, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se rappeler les meilleurs moments de l'édition 2014? Petit indice, on regarde un montage des meilleurs moments de l'édition 2014. Bonne écoute! Non, ça nous rajeunit pas, hein? Parlant de quelque chose physiquement incapable de rajeunir, moi, qui suis-je vraiment? La réponse, dans ce segment. Salut Herbie. Salut Herbie. Toi, tu passes ton temps à courir après les artistes émergents. Tu sais tout d'eux. T'es un peu comme le paparazzi de la relève. Ouais. Je me dis que dit comme ça, c'est trop, mais ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un privilège pour toi de couvrir le Zoufest 2015. Je t'envie. Ben écoute, moi aussi, si j'étais toi, j'aurais envie d'être à ma place. T'imagines même pas les bassesses que je serais prêt à faire pour être à ta place. Moi, je pense qu'au contraire, je me les imagine très bien. Parle-nous Zoufest. As-tu des scoops? Déjà, ce que je peux dire, c'est que c'est cet été. Ah ouais? Tu vas pouvoir assister à jusqu'à 3 shows par soir. Combien de shows, t'as dit? Il fait chaud ici, en tout cas. Dont certains en anglais. Oh, yes, I love it, my love. Des shows en français. Oh, la langue de Molière, je la sens. Les dates du festival sont du 9 juillet au 1er août. Ce qui va vraiment être plus intéressant cette année, c'est la proximité au niveau des salles. Arrête! Tu gâches le moment. Tout un personnage, Herbie. Moi, j'y souhaite juste de trouver quelqu'un pour s'occuper de lui après le Zoufest parce que d'après moi, il va pogner un méchant down. Zoufest. Ah! Vous savez ce que ça veut dire? Eh ouais! Déjà la fin de notre capsule d'aujourd'hui. N'oubliez pas de nous revenir la semaine prochaine pour un autre épisode de 3-2-1 Zoufest, où cette fois-là, je passe en entrevue l'équipe interne. Mais d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook, Instagram, mais pas dans la rue, parce que ça, c'est ma job. C'était Herbie Monroe au Café Le Couteau. Revenez-nous la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas de rester... Exactement, restez Zoufest.